Je m'appelle Eloan. On est aujourd'hui sur un bief du Lot-et-Garonne, un bief du Lot, de la rivière Lot, donc à Saint-Vite, un petit village de 1200 habitants dans le nord du département. Donc c'est un bief assez sympa avec une rivière assez calme. On retrouve quasiment toutes les espèces de carnassiers ici, que ce soit du brochet, du silure, il y a un peu de black bass, de la perche, du cendre, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Pas que du carnassier aussi, on a aussi une bonne population de carpes. Le bief il est très facile d'accès. On a une mise à l'eau qui est assez récente, donc accessible en bateau comme du bord. C'est aussi un parcours de nuit ici, donc accès facile avec des bordures où on peut se poser pour plusieurs jours, ombrager et tout. Donc un parcours en carpe de nuit pour les amoureux de la carpe. Avec la mise à l'eau pour partir en bateau sur certains postes un peu plus loin. On a aussi un ponton qui est en très bon état, donc pour tout ce qui est famille et tout ça. Un accès facile aux bordures du Lot, donc pour la pêche famille, de découverte et tout ça, c'est quand même très intéressant. On voit vraiment un bief pour tout le monde, quoi. Assez sympa. On a pêché quelques heures. C'est un peu la canicule en ce moment, donc il y avait vraiment des fortes chaleurs. Donc on a préféré pêcher le haut du bief, donc devant la mise à l'eau. Il y a le seuil avec la centrale hydroélectrique qui génère beaucoup d'oxygène avec le brassement d'eau. Donc on a quand même pas mal de postes différents sur ce bief, donc on a des grosses cassures, on a des forts courants des endroits, des herbiers. Donc on a essayé de cibler les chevennes en priorité, donc pour une pêche un peu rapide. Donc on pensait qu'il y avait peut-être un peu plus de poissons là, donc avec quand même pas mal aussi de zones d'herbiers. Donc les poissons ici abritent quand même pas mal, surtout quand en forte chaleur comme ça. On a essayé de pêcher avec des dealers de réaction, donc spinnerbait, crankbait, quand les poissons sont un peu léthargique en été avec des fortes chaleurs comme ça, ça peut être... En plus, c'est des pêches qui vont bien sur des pêches très rapides. Donc on a pêché le chevenne surtout avec des mini-crancs comme ça, assez bruiteurs, qui sont les leurs de réaction pour essayer de les faire sortir des herbiers, des sous-bassements ou des branches mortes et tout ça. Et après, on a pêché, on a recherché un peu silure, brochet, perche avec ce genre de spinnerbait. Donc avec des grosses palettes, on va essayer de faire des flashs lumineux. En plus, ça leur passe partout, on passe dans les herbiers, dans les branches avec ça. Donc sur des biefs comme ça qui sont encombrés avec beaucoup de branches, beaucoup d'herbiers, ça fait ses preuves, surtout dans les fortes chaleurs comme ça. Donc venez pêcher à Saint-Vite.